مثقف محب للدنيا ومحب للحياة ومحب لأهله وناسه. أولياء أمور مصر كلهم عندهم تخوفات كتير جدا ونظام التعليم الجديد. أنا عايز أخلي بالي من كل إنسان في مصر. التغيير الأساسي مش في التابلت ومش في الشبكات ومش في الأسلاك. التغيير الأساسي إن إحنا بنغير الطريقة اللي بنقيس بيها مهارة الطلبة. لو سمحتم ساعدونا على إنجاحه. هو لن ينجح بينا إحنا ولا بوزارة التربية والتعليم لوحدها، هينجح بإن المجتمع كله يحط إيده في إيد بعض ويقول لا دول ولادنا اللي إحنا عايزين ننطلق بيهم. Et à présent, chers téléspectateurs, nous avons au bout du fil Mme Farida Choubachi, qui est journaliste et écrivaine. Bonjour, Mme Farida. Bonjour à vous et à vous, tous vos téléspectateurs. Merci à vous. Si on parle de cette visite du président Abdel Fattah el-Sissi aux États-Unis pour participer à la 74e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, plusieurs défis sont sur la table à présent, que ce soit dans la région du Golfe ou que ce soit de l'autre côté sur le conflit libyen, plusieurs conflits et également l'Égypte à la tête de l'Union africaine. Comment voyez-vous cette visite et cette participation surtout à l'Assemblée générale des Nations Unies? Justement, comme vous l'avez indiqué, le président actuellement, il ne s'exprime pas seulement au nom de l'Égypte, mais au nom peut-être de toute l'humanité. Premièrement, il y a les problèmes du terrorisme qui doivent être confrontés avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'honneur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malhonnêtes et qui prétendent faire la guerre ou être contre les terroristes, et en même temps, ils les arment. Alors là, je crois que le président va parler de ça parce qu'il avait une fois ou deux fois peut-être, je l'ai entendu dire que l'Occident ou les gens qui arment les terroristes ne sont pas conscients que ça ne va pas s'arrêter chez nous. Le terrorisme, c'est un phénomène qui menace l'humanité entière. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous voyons maintenant que on est vraiment dans une région qui menace d'exploser d'un jour à l'autre. Moi, je me dis que si jamais les conflits du Golfe ne trouvent pas de solution rapide, ça va être un désastre pour tout le monde, pour notre région, mais aussi pour le reste, parce qu'ils pensent que ils vont s'autodétruire, les gens du Golfe et l'Iran, et en même temps, nous allons profiter du pétrole. Personne ne va profiter de rien. C'est-à-dire, la perte sera commune et le tort sera causé à tout le monde. Alors là, le Golfe, il faut à tout prix, parce que premièrement, il y a les garanties de la liberté de la circulation maritime. Deuxièmement, il y a aussi le fait que le pétrole, c'est un élément nécessaire pour le monde entier. Stratégique même. Justement. Alors là, il y a aussi notre région qui est instable à cause de la non-compréhension des droits des Palestiniens. Et le président n'arrête pas de dire que pour la stabilité dans la région arabe, il faut que il y a une solution du problème palestinien. Mmh. Alors là, il y a des surenchères entre les Américains et les Israéliens, ceux qui les appuient, en disant que non, voilà, ça va. Moi, je trouve que probablement le président aussi va reprocher au président américain de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, parce que ça, c'est vraiment quelque chose je ne veux pas dire beaucoup de mots, mais moi, je plus voir le visage de M. Trump après cette histoire-là. Et en plus, maintenant, encore, il a fait un pas très étrange, oui, et vraiment qui n'a pas d'exemple dans toute l'histoire de l'humanité, c'est qu'il a accordé
le Golan syrien occupé à Israël, comme ça, comme si c'était, comme s'il était le maître de notre région. Alors tout ça, c'est pas des solutions, c'est des bombes à retardement. Je crois que le président va parler de ça. Et en plus, il a une stature maintenant, comme je vous ai dit, il ne représente pas que l'Égypte, il représente aussi un continent sur lequel tout le monde parie maintenant, parce que c'est un continent presque vierge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a des terrains cultivables par millions de kilomètres. Et ça, c'est quelque chose. Et puis, en plus, il y a aussi l'échange commercial, l'échange culturel. Moi, je crois que le président va défendre des causes très justes et très importantes pour tout le monde, pas seulement pour nous. Donc, Madame Farida Choubechi, un autre sujet qui sera abordé donc par le président Abdel Fattah el-Sissi lors de ses entretiens avec ses homologues aux États-Unis, c'est la guerre contre le terrorisme. Et là, il y a un volet très important, c'est la guerre de la quatrième génération dont le président Abdel Fattah el-Sissi a parlé dernièrement, la guerre psychologique. C'est une guerre donc. On peut dire qu'ils utilisent des rumeurs à travers les réseaux sociaux et aussi les réseaux ou les pages de la confrérie terroriste des frères musulmans. Justement, et nous avons vu un exemple très récent. Hier, par exemple, ils ont profité de rassemblement de beaucoup de soutiens pour suivre les matchs entre le club national et Zamalek. Et ils ont laissé filtrer quelques éléments de chez eux pour prétendre que ça, c'était des manifestations contre le régime. Oui. Et moi, je crois que les mensonges et la malhonnêteté, c'est deux conduites qui sont vraiment des frères musulmans. Et ils sont ni frères ni musulmans, comme l'a dit leur grand leader avant ça. Le problème, c'est que aussi, il faut que les États du monde entier se réveillent et sachent que ça, c'est une arme vile et basse contre les peuples de la Terre. Mais il faut aussi qu'on sache que chez nous, ici, je profite de votre chaîne pour le dire, il faut qu'on ait une information, il faut qu'on ait des moyens d'information différents de ce qu'on a maintenant. En tout cas, oui, la guerre psychologique, c'est un outil ou une forme, un outil utilisé par les terroristes. On peut dire une nouvelle forme de terrorisme. C'est une guerre qui rapporte beaucoup de fruits inespérés sans dépenser. C'est-à-dire nous payons tout. Alors il faut vraiment, pour éveiller et consolider la conscience commune égyptienne, il faut qu'il y ait des moyens d'information et des hommes de médias capables de confronter et de remédier à cette situation. Parfait. Madame Farida, également, si on parle de l'histoire récente, je dirais, des frères musulmans, on parle toujours qu'il y avait plein de violences, que ce soit contre leurs opposants ou même contre les chrétiens en Égypte. Il y avait plusieurs incendies de plusieurs églises en Égypte. Il y avait plein de violences, je dirais. Mais ça, c'est leur mission. Leur mission, c'était de décider l'Égypte en 5 États. Tout le monde le sait. Et moi, je me souviendrai jusqu'à ma mort, le visage de M. Obama, le président américain, quand nous avons destitué Morsi, il était dans tous ces États. Parce que les frères musulmans avaient conclu un accord avec les Américains
on se souvient, on le mettait sur les nouvelles au bas de la barrière, comme on dit, ou news bar. Il y avait tout le temps écrit que le Sinaï, l'état du Sinaï. Alors, moi, je crois que le peuple égyptien, qui a eu vraiment, qui a accompli, à mon avis, la plus importante révolution dans l'histoire de l'humanité, le 30 juin, ils ont stoppé et ils ont déchiré en 1000 morceaux le plan de la décimation de la nation arabe et surtout de l'Égypte. Mais malheureusement, il y a des gens qui pensent que cette idée ou cette théorie de complot n'existe pas et que le pouvoir invente cela pour arriver au pouvoir ou à plus de pouvoir. Alors, ils n'admettent pas, il y a plusieurs personnes qui n'admettent pas cette théorie de complot, même si elle est connue depuis des dizaines d'années, je pense. Bon, ça, c'est leur façon d'agir, mais il faut que nous ayons notre façon d'agir. Il faut dire, il faut expliquer à tout le monde, pas seulement aux Égyptiens, qui ont subi beaucoup, beaucoup de mal dans le règne des frères musulmans, il faut leur dire que, bon, voilà, on vous prend à témoin. Est-ce que les gens qui prétendent représenter la vraie religion musulmane qui a, à mon avis, qui est la plus démocratique des religions, quand il y a un verset qui dit « Celui qui veut croire, qu'il croit, et celui qui veut ne pas croire, qu'il ne croit pas. » Donc, il a laissé à l'être humain la liberté absolue pour ensuite lui demander des comptes à rendre. Et là, comment les gens qui se prétendent du pays, ils sont en train de brûler les églises pour faire une scission, pour faire diviser le peuple entre les chrétiens et les musulmans. C'est ce que l'Angleterre voulait faire depuis à l'aube de son occupation détestable. Et en plus aussi, il faut savoir que la mosquée du Sinaï qui a été aussi visée. Il y a eu 350 ou 300 et quelques victimes morts qui sont en train de prier dans une mosquée. Alors là, il faut dire que c'est politique, c'est pas religieux. Parce que si c'était religieux, ils auraient écouté et compris que la religion ne s'impose pas. Il faut convaincre, il faut pas tuer, il faut convaincre. Oui. Oui, c'est comme l'a dit le président Abdel Fattah el-Sissi, ce sont des gens qui sont contre la vie, ce ne sont pas contre une religion, mais ils sont contre la vie. Et contre la patrie. Oui, et contre la patrie, bien sûr. Voilà. Alors, Madame Farida Choubechi, journaliste et écrivaine, merci beaucoup pour votre intervention et passez une excellente journée. Merci beaucoup. À vous aussi. Et je pense que cela, donc, sur cet appel ou cette intervention téléphonique, on arrive à la fin de cette émission de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention. Passez une excellente journée, Selma. Merci, Alham. Chers téléspectateurs, nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle émission de Bonjour l'Égypte. Au revoir.